Et ils sont capables de bien ressortir le ballon et justement s'il y a de l'espace d'en profiter. À l'image de Bellerin là, qui est allé poursuivre son action jusqu'au bout, il y a eu un gros choc. L'action se poursuit, pas tout sifflé d'Anthony Taylor. Et Aubameyang qui réussit le dribble et le piqué derrière pour un doublé. Pierre-Emerick Aubameyang, un doublé comme lors de la demi-finale sur cette même pelouse.